s'est dit non, vous pouvez trois fois de suite, donc celui-là je vous le donne. Et Tommy est là, je vous le donne. De quoi ? Je sais pas, pardon. Alors, le fantôme s'est dit, vous pouvez pas perdre trois fois de suite. Tommy est là, donc je vais faire un effort, je vais vous donner deux, trois. Qu'est-ce que tu dis, j'étais pas. Faites chier. Pardon, je suis pas. Allez où la Ouija là pour lui demander dans quelle salle elle est. C'est Taro, c'est Taro. Qui c'est Amtaro ? C'est Amtaro. Le hamster ? C'est ça. Un petit hamster grandes aventures. Avec Amiral, petit chapeau. Je vais aller au bloc. Le plus grand de tous les héros. Oh my god. C'est à gauche, avec je crois. Bitou, pour... la plus belle. J'aimais bien son pote, moi, le tout gris là, je sais plus comment il s'appelait. Alors, je vais être très bête, j'ai jamais vraiment regardé, c'est juste le plus grand de tous les héros que j'aimais bien. Mais la phrase, mais je. C'est Action Man ça. Bah, c'est aussi une pub Action Man quoi. Ah ouais ? Ah oui. Ouais. Action Man, le plus grand de tous les héros. Bah oui, il y avait ça. Ah, mais parce que c'était marrant pour Amtaro, parce qu'en vrai, il est très petit. Donc, tu vois, tu ok, le compteur est au bloc. Je sais plus quel bloc. Bloc de gauche. Voilà, le bloc A. Le bloc soviétique, voilà. voilà. J'aimais bien Aptaro, mon tout premier hamster s'appelait Ham Ham. Confiture. Le club des Ham Ham. Jambon. Ah ouais, non, parce que Kenok, je touche pas cette merde. Je douche ne pas, je ne bois pas. Oui, en ça. Plus, j'entends depuis tout à l'heure et je suis en mode tout va bien, c'est normal. C'est le voisin d'à côté, il faut pas lui en vouloir. Oui, voilà, c'est ça. J'ai Aptaro, je connais que de nom. Hein. Les jambes, d'accord. C'est pas un. Allez où ? C'était quoi déjà ? Elle est là, au fond. C'était quoi l'animal déjà, le hamtaro ? C'était un hamster ? Ah, c'est le hamster. Et il avait une sorte de chapeau hélicoptère sur la tête là ou je sais pas. Ah non. Non mais je connais pas. Je connais pas hamtaro. Ah ouais, il avait une Kalachnikov non ? Ah oh, ça va. Hamtaro, il avait pas ça. Non, il avait pas ça. Parce que c'était tellement spécifique. Non, il. Amiral, il avait un casque de chantier sur la tête. Il avait peut-être une maladie. Dark, c'est honteux. Non, non j'ai pas honte. C'est pas Bob le. Je connais pas. Amtaro, c'est toujours entendu le nom, c'est tout. On m'a toujours fait ah, Amtaro, tu crois que j'avais la force d'aller chercher un hamster là. C'est votre génération à vous, hein, pas la mienne. Ah, je sais que c'était un peu après la nôtre quand même. Ouais, et franchement, je sais pas. Et c'était vraiment bien Amtaro parce que j'ai l'impression que c'est non, quand même. C'est... Parce non, qu'en fait, le problème, c'est que les gens ils sont toujours en train de dire Amtaro, mais personne m'a raconté une seule histoire d'Amtaro, hein, donc jusque-là. C'est années 2000 environ, Amtaro. Ouais, ouais. C'était vraiment pour les petits-enfants. Ouais, voilà, c'est pour les petits-enfants, bon, voilà. Qui est série de manga. Hein. Oui, non, mais d'accord, série de manga, mais je regarde pas tous les mangas. Hein. Sortie initiale 97-2000. Donc. 97, 2000, ouais, j'avais 5 ans. Ouais. Oh, Taro, 5 ans. Bah donc, j'avais 1 an. 5 ans, je jouais à la NES sur Legend of Zelda. C'est voilà. Génération. Ouais, je m'en lave les mains. Moi, j'ai pas de problème. Je prends les deux crucifix, hein, parce qu'à l'écran là. Putain, le retour du fantôme des douches de la prison, quoi. Ça arrive beaucoup trop souvent. Mon hamster est mort en jouant à la roulette russe, d'accord. Mais apparemment, les hamsters, ça a la réputation de crever de manière très brutale. À la roulette russe. Ouais. C'est une réputation, il se pose avec un cigare à la bouche et généralement, ça joue en 6 coups, quoi. C'est très con. Personne a une histoire de décès de hamster sympa, quoi. C'est jamais. Parce que t'as des histoires de morts sympas. Parce qu'il y a des morts sympas pour l'hamster. Il est mort de vieillesse, il est. Etc. Mais t'en as, c'est vraiment des. C'est vrai que les morts de hamster, c'est hardcore. Non, mais des trucs complètement éclatés, oui, il est bien là, c'est. Hein. Parfois littéralement d'ailleurs. Ah, c'est vrai que les hamsters, ils meurent de peur. Ah oui, ils sont. Oui. Bon, j'ai essayé d'optimiser les crucifix, hein, mais clairement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Mon premier hamster est décédé de vieillesse. Ah bah, c'est bien. Ah, c'est. Au bout de combien de temps ? 2 mois, non ? Ça vit 3 ans. Ça vit combien de temps un hamster ? Ouais, c'est. Ça vit pas beaucoup, c'est pour ça. Ouais, 2-3 ans, je crois. Hein. Vous savez que je déteste les hamsters, mais alors pour une seule bonne raison, hein, c'est. En fait, j'ai un pote, il m'a invité, il avait 2 cochons d'Inde, 3 hamsters. Il en a sorti un de sa cage, il me l'a placé, et à l'époque, je m'étais pété le poignet, d'accord ? Donc j'avais un gros bandage sur le poignet. Il me dit, regarde, c'est mignon. Le truc, il est monté sur mon poignet, il m'a niaqué les 2 dents plantées dans le pouce. Voilà. Et depuis, j'ai dit, je n'aurai plus jamais de contact avec un hamster. Non, j'ai rien fait du tout. On l'a remis dans sa cage, et j'ai juste dit, putain ! Voilà. Je suis parti, j'ai fait, voilà. Et son cochon d'Inde, il s'est posé sur mes genoux, et il m'a pissé dessus. Et ça me paraît long, comme les cochons d'Inde, non, les cochons d'Inde, ils... C'est marrant, les rongeurs. Je trouverais ça super injuste parce que les rats, c'est 10 fois plus intelligent, 10 fois plus sympa et ça vit genre 2-3 ans. Hein.
en moyenne. Oui, non, le hamster, ça vit pas 5 ans, je pense. Non, pas, ouais, hein. Les hamsters ont pas. C'est 5 ans grand max, d'accord. C'est bien, parce que déjà 5 ans, c'est pas mal, hein. L'hamster d'un pote est mort en lâchant un bronze. Les morts nuls. C'est ça l'esprit. Oh, il a éteint le courant. Il a éteint la lumière. C'est qui a éteint la lumière? C'est Cauchemar? Pourtant, c'est le clan des Ham Ham. Y'a pas d'ombs. Oh, y'a des. Attends, je vais essayer de l'appeler. Ah, Orbs! 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 Elle éteint la lumière, j'ai vu leur direct. Elle Orbs! Attention, je l'appelle. Quel âge avez-vous? Les objectifs. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Bonne journée! Bon. C'est gentil de lui dire bonne journée. Ouais, je sais, je suis un mec sympa. On va remettre un deuxième livre fantomatique. Pour l'instant, il était au fond à droite. Hein. Il a marché au fond à droite, je crois. Et ah, il a réactivé. Il vient de réactiver un évier là. Il y a deux éviers sales. Oh, il m'a fait bader. C'est un cauchemar. Ça sent le cauchemar, ça. Hein. Ça sent le cauchemar, sa mère. Il y a un appareil photo dans la pièce si tu prends en photo. Par contre, c'est bizarre. C'est la première fois que je vois une apparition comme ça. Cauchemar, celle-ci. cauchemar. Il vient de rééteindre le courant devant moi. C'est bon, c'est tout à. Oh, regarde, il l'a refait. C'est un cauchemar. Bah, en fait, j'allume et il rééteint. Oh, regarde! On signe battle de lumière. Ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est une preuve. Cauchemar. Irréfutable. Irréfutable. C'est irréfutable. Ah non, mais vraiment, en plus, hein, je déconne pas. Et je déconne pas, là! Je te crois, mais il faut quoi en preuve pour le cauchemar? Il faut orbe, après, je sais pas. Je vais te dire. Il faut un truc. Il faut un truc. Attends, cauchemar, il faut spirit box, orbe et écriture fantomatique. Bah, il faut écriture. Il faut lui ramener de l'écriture vers la gauche, là. Tu as ramené un book. Mets-le un peu sur la gauche là, ici là, parce qu'il a tendance à flâner près des lavabos. Flâner près des lavabos. À flâner. Les cauchemars, généralement, se retrouvent à flâner, flirter légèrement au port du ruisseau. Ah, il a écrit. Bah tu vois, il est allez cauchemar là, putain, c'est qui le monstre? Par contre, parabolique, photo d'identité, il faut nettoyer la zone avec un bâton d'encens. Si vous voulez venir avec un bâton d'encens. Il y en a deux ici, je l'ai. J'essaye de le retenir. J'ai balancé un micro parabolique, si jamais. Où ça? Est-ce que ça a marché? Dans la pièce. Oui, ça a marché. Je l'ai jeté, mais je pense pas que ça ait fait grand chose pour. Donnez-moi un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Montrez-vous. Ah oui, l'encens, oui. Est-ce que ça a marché de jeter? Parabolique, c'est bon. Non, je pense pas. Manque plus que la photo. Ça fait un ultra. Quelqu'un peut venir avec de l'encens quand même pour me cover pendant que j'essaie de le prendre en photo? Leslie Sweeney! Putain, le nom. Sweeney! Leslie Sweeney! Montrez-vous! Donnez-moi un signe. Attends, je veux prendre en photo le fantôme d'abord avant de prendre en photo le reste. Parce que là, c'est vrai qu'il y a de quoi faire, mais. Il faudrait ramener un deuxième appareil photo au pire, Jurax. Bah, c'est ce que je voulais faire, mais là, je ramène déjà un micro parabolique et de l'encens. C'est le parabolique, je l'ai validé déjà, plus besoin. Ah, bon. Bah, je laisse l'encens là à l'entrée. Ça marche. Hop. J'ai l'impression qu'il a arrêté d'être actif là. Si vous éteignez la lumière, je pourrais voir si l'orbe est toujours là. Ça marche. Il n'y a plus d'orbe. Potentiellement, soit il est parti se balader avec son orbe. J'ai plus rien. Ah non, c'est devenu très silencieux d'un coup. Attends, tu l'as fait chier avec la lumière, du coup il a dit je me casse. Ouais, j'avoue. Non, il vient de remarcher, je crois, dans le sel. Oui, je l'entends. Bon, on va pouvoir l'énerver de nouveau. Allez, t'es prêt? Qui c'est qui a mis la caméra contre le mur que je vois plus rien? Ah pardon, je l'ai mis dans le mauvais sens. Donnez-moi un signe. Manifestez-vous. Regarde-moi ce beau carrelage. Leslie Sweeney. Donnez-moi un signe. Manifestez-vous. Joue hop. Death. Ah quand même. Tu me dis juste si t'as Death. Attends, parce que là je suis tout seul. Hein. Ouais. Oh, apparition. C'est bon, je l'ai eu. Ah, bien joué. Ok, je peux prendre en photo le reste maintenant. Casse-toi! Ah, 3 étoiles, bien joué. Le tarot a été pris en photo ou pas? Ah, oh bah là, bouge pas et tout. Ah, c'est bien. De la thune. Oh, on a tout? Ah, bah allez, on se casse. Attends, tarot. Ah, oui, c'est vrai. Le joujou, tu sais, carte. Je laisse tirer parce que moi, de toute façon. The Tower. The New Yoka. The Hermit. The Fool. The Sun. Tower. Il est très emmerdant votre jeu de tarot. Ah fuck. Qui est votre jeu? C'est pas grand chose. Hein. Il est pas foufou hein. The Tower. Oh, putain. Waouh. Consonne. Tower. Waouh. Putain la vache. Va y avoir bien. Death. Attaque. Il arrive.
Ouais, elle arrive. Bah, excusez-moi, je me permets. Ah, non, elle est restée. Elle balance tout dans les douches. Elle est pas contente. Elle a balancé le gel douche, elle était pas d'accord. Elle en veut un autre. Sub Tower, il y en a plus. Bon. Ok, bon, on peut partir. Ça fait un pack de tour. Un cauchemar. On a fait rondement mené pour une prison, ouais. Ouais, non, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a trigger direct le cauchemar avec la. On a fait une battle de lumière quand même. Là, c'était très visible. Alors, d'ailleurs, c'est rare qu'il fasse ça, hein, parce que souvent, il le fait une fois et après, voilà, histoire de pas. Là, la preuve, c'était vraiment, j'éteins le truc, il s'est retourné, il a fait ah ouais. Il a rallumé direct, donc t'es en mode bon, bah, forcément, là. Cauchemar. Ça va être un revenant. Non, là, c'est cauchemar. Là, c'est cauchemar. C'est bon, vous avez tous voté. Ouais. Allez. Le jeu de cartes est magnifique, ah ouais, c'était terrible. Hein. Ah oui. Hein. 7 de pique, exact. 5 de pique, 6 de pique. On attend les têtes, aucune tête. Ils ont tiré un jeu de tarot, mon gars. Même la belote, on voulait pas. Hein. Non, c'est... Oh, bah un peu d'argent quand même. Hein. C'est bien là, hein. Petit 500$. Un petit peu d'XP aussi, c'est bien. Perfect. Oh, j'ai passé les 800. Oh.